Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire la recette des faritas. Voici les ingrédients qu'il nous faut. Du sel et 250 ml d'eau tiède. 100 g de farine de blé et 200 g de farine de maïs. Versez dans un saladier les 100 g de farine de blé et les 200 g de farine de maïs. Mélangez avec une cuillère à soupe, ajoutez une pincée de sel, versez 250 ml d'eau tiède du robinet dans le saladier. Creusez une fontaine dans la farine et y versez l'eau tiède. La farine est insoluble dans l'eau, donc cela formera une pâte. Voici à quoi doit ressembler votre pâte. Le sel se dissout dans l'eau tiède, ce qui rendra la pâte salée. Laissez reposer 30 minutes environ. Divisez la pâte en 8 boules de la grosseur d'une clémentine. Farinez le plan de travail et étendre la pâte délicatement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. La retourner et recommencer l'opération. Mettre la pâte à cuire dans la poêle 1 à 2 minutes de chaque côté. Elle doit gonfler. Pendant que la pâte repose, coupez 3 oignons, 2 poivrons rouges et 1 poivron vert en lamelles. Chauffez l'huile d'olive dans une poêle. Mettre les oignons et poivrons coupés dans la poêle. Les faire revenir, ajouter les escalopes de poulet et filer. Ajoutez un demi-verre d'eau. Laissez cuire à feu tout jusqu'à ce que les poivrons soient fondants et le poulet cuit. Que rico, bonne dégustation, que aproveche.